Hello tout le monde, c'est Romain, comment allez-vous? Moi je vais bien, on se retrouve sur Zombie Derby 2, un petit jeu indépendant développé et édité par Brain Media. C'est un jeu du coup où on conduira le véhicule présent au milieu de votre écran et qui nous servira du coup à défoncer tous des zombies tout en évitant des obstacles comme des bombes, des bidons explosifs et tout ça. Donc le plus simple ce serait de vous montrer, j'ai un peu avancé de mon côté pour vraiment essayer le jeu, voir si ça allait plaire. Moi en tout cas ça me plaît, et du coup je vous propose du coup cette petite vidéo, à savoir que le jeu sort ou est sorti le 25 janvier 2008, tout dépendra du jour où vous regarderez cette vidéo, et où je la posterai également. Donc vous avez vu comme quoi j'avais ce véhicule, et apparemment à partir du niveau 2 on me propose d'acheter un autre véhicule, sauf que moi je viens de faire la boulette de l'ancien jeu. Bref, du coup comme vous voyez on démarre à gauche, le but ça sera de rejoindre l'arrivée qui est tout au bout, voilà, tout à droite, tout en défonçant les zombies que vous voyez autant rampant, autant avancer de tense et autant des zombies aussi qui sont tout en feu. Et en défonçant le maximum de stacks pour pas être ralenti et pouvoir terminer la course jusqu'au bout. Voilà. Donc ici, nous, on est déjà à un stade un peu plus évolué. À savoir qu'il y a des petites astuces aussi également, genre ne pas accélérer quand vous êtes dans les airs, ne pas accélérer pour gagner un peu d'essence. Généralement, ce type d'astuce, ça vous le donne quand vous foirez pas mal de fois. Du coup, c'est plutôt cool. Au moins, on vous laisse pas dans la mouise pour pas, enfin, sans savoir pourquoi vous allez pas réussir. Et on vous donne des fois des petits didacticiels quand vous découvrez des nouvelles choses sur votre chemin, on va dire. On vous donne des petits didacticiels pour vous dire ce qu'il faut faire. Alors ici, il faut tirer sur le bidon pour activer une rampe. D'accord. Ok. Donc ça évite d'aller tout droit et de se manger le truc explosif. Donc là je vais utiliser un peu mon boost. Ouh, ça passe tout just. C'est bon, ça passe. Ce qui est dommage c'est qu'on n'a pas de bruit de véhicule. Enfin on n'a pas de bruit de moteur et comment je pourrais dire ça, et de genre de boost là, de tir et tout ça. Ce qui est un peu dommage. Oulala, ça fait loin. Ah, j'ai pas réussi à passer. Bon pour la casse, non. Donc là, on retourne du coup ici. Je vais aller voir 2 secondes dans les options s'il y a moyen d'avoir des options quelque part. Alors, du coup, hop, on va repartir au niveau 2. On va acheter le nouveau véhicule. Alors, apparemment, c'est un gros blindé. Et il me reste 455 points. A savoir que les points aussi, vous les récupérez en faisant à chaque fois des runs. Même si vous finissez pas, vous gagnez des points en fonction du nombre de zombies que vous avez tués, que vous avez explosé des bidons et tout ça. Et vous pouvez du coup améliorer votre véhicule. Donc moi ici, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça. Ça sert vachement pour les zombies au début. Je vais mettre un peu d'essence. Il me reste 65, je vais améliorer mes pneus. Et on va tester comme ça. De toute façon, je peux pas améliorer d'autres choses. Donc voilà, là ici, j'ai un peu réglé. J'avais éteint du coup les sons du jeu. Donc là on a un peu les explosions et tout, c'est beaucoup mieux. Hop, là je peux foncer vraiment tout droit, mais vous voyez que ma barre d'essence part extrêmement vite, ce qui fait que ça me force à faire beaucoup de runs pour pouvoir le réussir. Hop. Et là j'ai rien pour exploser du coup les bidons, ce qui fait que ma voiture peut également... Enfin bon, ma voiture, c'est un grand mot. Mon véhicule peut également exploser s'il prend trop de dégâts. Hop, on va essayer de faire quelques petits runs. À la limite, je serais peut-être plus gagnant à le faire avec mon autre véhicule pour l'améliorer. Allez, tu veux, vas-y, hop, ça me fait des points en plus. Voilà, donc là, je suis à court de jus et du coup, je peux pas aller plus loin. Mais je me suis rapporté 285 points, ce qui me fait que je vais le mettre un peu en boost. Ça peut m'aider. 210, je vais utiliser plutôt dans ça. On a 130 et avec 130, tu peux rien faire. Du coup, moi je repars. Là, ici, on peut le custom un peu avec des petits graffitis. Mais bon, vu le prix que ça coûte, on va s'en limiter, je vous le dis. Donc voilà. Donc les mitraillettes, à savoir, c'est pas pour défoncer les zombies. Les zombies, vous pouvez le défoncer, vous perdez rien. Par contre, les mitraillettes, ça sert à exploser. Enfin, moi, de mon point de vue, ça sert surtout à exploser. Les tonneaux et tout ça.
qui fait que ce que ça peut bien vous aider, ça va, comme je l'ai dit juste avant, ça évite de faire exploser votre véhicule. Et en plus, ça évite d'utiliser des munitions dans le vent à tuer des zombies. Hop. Alors pareil, je vais pas aller trop loin, je vais peut-être battre mon record, mais je vais pas aller loin. Je crois que je vais m'arrêter ici. Ah non, j'étais plus loin avec mon autre véhicule. Ouais, là je vais vraiment pas aller loin. J'étais arrivé là aussi. Oh, si j'arrive à le passer. Non, oh dommage, j'aurais pu le passer. Allez, hop. On repart au niveau des améliorations. Donc ici, on va se rajouter un peu d'essence, c'est ce qui nous manque. Et on va ajouter du boost à la limite. C'est ce que j'améliore toujours au mieux. En suivant, après, je prends surtout les munitions. Donc je vais pas faire non plus 50 millions de runs, je pense que vous avez compris un peu le concept du jeu. C'est ça, c'est des couloirs, ça passe le temps quand vous savez pas trop quoi faire. On va essayer d'aller plus loin, du moins que là où je me suis arrêté. Hop. De toute façon, je sais que j'irai pas loin, donc là je peux utiliser une munition, sachant que j'ai encore 12 coups. Wow, t'as le gros carnage que je t'ai fait. Alors, je sais même pas si j'ai doublé mon record. Là, j'ai plus de munitions pour voilà, vous voyez qu'il y a même des zombies en feu. Voilà, bon, moi je vous les montre. Il y a des zombies en feu et également des zombies qui vous balancent des tonneaux dans la gueule. Wow, les sauts de ouf qu'il faut faire. Ok, donc là je me suis ramassé 429 points. Je vais essayer une dernière fois d'y aller. Alors, 429 points, ça fait que je peux mettre encore une fois de l'essence. Encore une fois un boost. On va tenter comme ça. Et je pense que ça sera peut-être la dernière... Enfin, le dernier petit essai, le dernier petit run. Je vais essayer d'optimiser à mort mon essence. Pour essayer d'aller le plus loin possible. Donc je pense qu'à mon avis, il faut améliorer au moins l'essence et le boost à fond. Pour pouvoir réussir à aller jusqu'au bout. Après, je peux peut-être me tromper, mais je pense que après avoir fait plusieurs essais dans les premiers niveaux, je pense que c'est ce qu'il y a à faire. On va tout de même essayer d'aller jusqu'au bout. On va essayer un peu de boost. J'en ai à revendre. Par rapport à mon essence, je peux être un manque de boost que manque d'essence. Allez. Je vais garder des munitions pour les mobs qui me balancent des... Faut les détruire, ça donne des points en plus, ça, les oiseaux. Je les ai croisés une seule fois, les oiseaux. Wouah, la montée a de fou à faire. Un peu de carburant, on essaie d'aller plus loin possible. Tue-le. Oh, non. J'aurais pu le tuer. Bon, vous voyez comme quoi j'étais encore un peu loin de la fin. Il me restait encore 30 zombies à tuer, donc j'étais encore pas mal loin. Bref, je pense que vous avez un peu compris le système, donc ça se base sur plusieurs niveaux et plusieurs events. Là, il y a eu l'event d'Halloween, de ce que je vois en haut, là, il y a eu l'event d'Halloween, que j'ai terminé, je crois. Je crois que quand c'est le point vert, c'est ce qu'on a terminé, et les modes extrêmes, c'est vraiment avec
beaucoup de contraintes à mon avis. Bref, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Je remercie encore une fois Brain Media de m'avoir offert ses clés pour pouvoir vous proposer cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, aimer, partager la vidéo comme d'habitude. N'hésitez pas à me rejoindre dans mon Discord si vous voulez jouer avec moi pendant mes lives ou pourquoi pas pour une vidéo. Le lien est dans la description. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat. Tout le lien est dans la description. Je sais pas si il y a Snapchat, mais au moins je vous le dis. Sous le pseudo Mister Antibu, vous pouvez me trouver assez facilement. Nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien et à bientôt.